Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle machine que nous venons de recevoir. C'est une petite scie à ruban destinée à un usage amateur qui est livrée donc avec son piétement. Donc, en fait, la machine est complète, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'installer sur un pied ou sur autre chose, de faire un banc ou trouver un pied différent. Un usage amateur par rapport à ses capacités. Alors, on sait que pour un tourneur sur bois, une scie à ruban devient très rapidement indispensable. C'est une machine dont on va voir les caractéristiques un peu plus tard, qui est tout à fait adaptée à un usage loisir, même régulier, pour la plus grande partie des tourneurs sur bois actuels. Bon, on l'a choisi avec des volants de 254 mm, qu'on verra après, on ouvrira les capots aussi, et une puissance de 370 watts. Tout à fait adapté donc aux caractéristiques de la machine. On va commencer par vous montrer le déballage et le montage de la machine, et ensuite nous arriverons avec enfin, on vous montrera les différentes caractéristiques à prendre en compte pour choisir une scie à ruban et ce qui pourrait vous intéresser dans ce modèle-là.
Voilà, maintenant vous avez vu le déballage et le montage de cette scie à ruban. En somme assez aisé. On va maintenant regarder les caractéristiques techniques de la machine ensemble en vidéo. Les caractéristiques principales d'une scie à ruban et ceux qu'on regarde en premier, c'est bien sûr la hauteur de coupe et le col de cygne, donc les dimensions que l'on va effectivement pouvoir couper avec cette machine. Alors, en hauteur de coupe maximale, comme elle est réglée ici en fait, c'est 120 mm hein, et le col de cygne est de 245 mm. Hein. Les lames, enfin la lame, pardon, est guidée par des roulements en haut et en dessous de la table que l'on ira voir après. Donc, ce guide défait ici et on vient couper, donc régler au plus près de la pièce de bois ici pour éviter une trop grande torsion de la lame lors de la coupe. La scie est équipée d'un guide parallèle que l'on peut passer à gauche comme il est là ou à droite de la lame selon la pièce que vous avez à couper, ainsi qu'un guide à onglet coulissant dans une rainure. Bon, on voit ici que la règle est graduée pour vous faciliter les coupes de bois. Alors juste pour que vous ayez une idée du bruit que peut faire une petite machine de ce genre, c'est somme assez réduit, on peut parfaitement avoir ça dans un atelier même proche de son domicile. On ouvre les capots. Alors, comme sur beaucoup de machines, on a besoin d'un tournevis, c'est la législation. Voilà. Bien que la porte du haut comme la porte du bas sont équipées d'un coupe-contact, de façon à ce que la machine s'éteint lorsque la porte s'ouvre. Système de tension de la lame qui pousse ou qui tire sur le volant du haut. On peut monter de lame de 6 à 13 mm selon les pièces que vous avez à faire. Donc il y a une lame fournie avec. D'origine, c'est une lame largeur 9 mm si on compte les dents inclus. Bon, c'est un peu c'est une très bonne lame pour commencer. Vous pouvez autant faire un petit peu de chantournage si vous n'avez pas des virages trop serrés à faire, enfin des courbes trop serrées. Et même si vous avez à déligner, si vous n'y allez pas trop rapidement, si votre vitesse d'avance n'est pas exagérée, vous ne la tordrez pas. De toute façon, ça c'est livré d'origine. Par la suite, vous montez la lame que vous désirez. Lorsqu'on ouvre le capot du bas, on se retrouve à nouveau avec le fameux capteur qui coupe l'alimentation si jamais vous ouvrez le capot, la machine en marche. Une brosse qui va nettoyer la poussière qui va s'accumuler entre la bande en caoutchouc qui est posée sur le volant et la lame. Et aussi le rapport de vitesse. Donc il y a une vitesse lente à 660 et une vitesse rapide à 960 tours par minute selon les coupes que vous avez à effectuer. La poignée qui est ici est celle qui permet de régler l'inclinaison du volant du haut. Ça sert surtout à ce que la lame court sur les volants de façon la plus droite possible et que les dents soient légèrement à l'extérieur des bandes sur les volants pour ne pas abîmer l'avoyage. Donc ça, c'est cette fameuse inclinaison. En bas de la machine, bon, on retrouve le moteur 370 watts, mais plus important, on retrouve la sortie d'aspiration. Alors, c'est une sortie en diamètre 60, ce qui est assez commun. Si vous n'êtes pas équipé d'un aspirateur, il faut bien vous dire que sur une scie à ruban, crée et génère pas mal de poussière. Donc, sur ces machines-là, ce n'est pas une obligation d'aspirer en permanence. Par contre, il faut bien nettoyer de temps en temps l'intérieur des capots, enfin l'intérieur là où se situent les volants, pour ne pas accumuler trop de poussière. La table est inclinable de 0 pour être parfaitement à plat jusqu'à 50 degrés en desserrant tout simplement ce bouton-là et en inclinant la table. Voilà, on a fait le tour de la machine. On a vu ensemble les différentes caractéristiques importantes. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo.